Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, est-ce que l'épisode est parti? Oui, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2, chers amis. Sintara va nous parler. Sintara. Si j'ai bien déchiffré le plan, et c'est le cas, il y a des caméras faciles à pirater. Ah bon? Je vais regarder ce qui se passe. Et après? Je lui pirate la gueule. Faut juste que je trouve comment. Putain, c'est dingue. J'adore. Je veux mettre la main sur leur serveur principal, mais pour ça, faut qu'on le rapproche. Allez, j'y vais. Ok. Ok, c'est bon. X, c'est parti. Bonjour, vous êtes un inconnu avec une... Ah, d'accord. Salut, arrête de nous faire mariner. Qu'est-ce que tu vois? Putain, on n'a pas affaire à des nazes. Il y a du matos, je vous dis pas. Je vois aussi un terminal d'admin, mais va falloir que je fouine un peu pour trouver les identifiants. Je vois comme des jouets là. Du genre pour Josh ou pour Sintara? Le genre que j'ai une batterie et que je peux commander à distance. T'es en train de te foutre de ma gueule. Oh. Oh merde. Bon. C'est bon? Je peux avoir une caméra, une vue intérieure, merci s'il vous plaît. Ah bon, merci s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hop. Crac. Crac. C'est bon. On est bon. On est bon. Trouver la clé d'accès. Oh putain. T'es en train de me dire que depuis le début... Putain, j'ai pas la clé. Le mec, il a une caméra sur lui. Merci. Ok, j'ai la clé d'accès. Bonjour. En fait, il y a deux... Ça a l'air d'être une pièce importante. Pour les flics et pour les enfants? C'est genre une série qui parle mal anglais, tu vois. Voilà pourquoi on aime les gens qui cochent la case « se souvenir de moi ». J'ai trouvé un nom d'utilisateur. Le genre de vieille... Ok. Que quoi? D'accord. Que j'ai vu qui c'était vraiment, ma tante. Elle se tient droite comme un i. Elle est efficace. Calculatrice. Toute la chaleur disparaît de son visage. Froide comme la mort. C'est pas de bonne chose, ça. Elle parle un anglais parfait. Avec une voix qui te dit, si tu foires, tu meurs. Encore une fois, c'est pas de bonne chose. Mettons ça au clair tout de suite, je l'aime pas. Est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir des portes ou je sais pas quoi? J'ai vraiment besoin qu'on m'ouvre des portes ou je sais pas quoi. Parce que je sais pas du tout par où je suis censé aller là pour le coup. Parce que là je peux pas. Ah, je peux pas booster avec celui-là, ce drone là. Là je voulais de monter, tourner. Et là si je vais par là. Je suis coincé, ce qui veut dire que je suis obligé d'aller par là. Et par là, c'est un cul-de-sac aussi, non? Oh, attendez. Par là, ça me semble être un cul-de-sac aussi, effectivement. Mais alors, qu'est-ce que tu... Marcus, qu'est-ce que tu es censé faire? Qu'est-ce que t'as pas compris? Reprenons la base. Est-ce que tu as moyen de rentrer par là? Ouvrons les deux portes, hein, sait-on jamais.
On y retourne. Non. Non plus. Je check, hein, mais... J'ai pas l'impression d'avoir d'autres endroits dans lesquels je peux aller, hein. C'est quoi ce bordel? Par où je suis censé passer? J'ai l'impression d'être complètement bloqué! Oui, j'ai déjà entendu ce texte-là, désolé. S'ouvre pas. Mais c'est quoi ce bordel? Oh putain, y'a l'autre mec qui marche, c'est ça, non? Oh la gueule. D'accord. Apparemment j'ai réussi. Je crois que j'ai trouvé le mot de passe. Parce que tu lis le chinois, toi. C'est une séquence numérique. Ça coûte rien d'essayer. D'accord, et maintenant? C'est très bizarre, hein. J'ai trouvé de quoi accéder au système du bateau. Super. Maintenant, reviens au terminal d'admin. Chinoiserie, parce que là, franchement, je peux pas dire autrement. J'ai rien d'autre à... Ok. Et donc, c'est là-bas. Ok. Bonjour. Le mec me regarde, hein, quand même. Je veux pas dire, mais... Ok. T'as une idée pour rapprocher la péniche du rivage? Non. De détraquer leur jauge. Jauge? Des jauges pour jauger? Ouais, bonne idée. Ok, les jauges de carburant sont détraquées. Du coup, ils vont devoir regagner la côte pour ravitailler. C'est bien joué, ça. Y'a un bateau qui t'attend au quai de marine. What? D'accord, c'est fini. Ok, je comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc il y a un bateau qui m'attend quelque part. D'accord. Pourquoi pas? Et j'imagine que ce quelque part c'est à 10 km, à peu près. Aïe. C'était pas prévu ça. Je tiens à préciser que... Non, ce n'était pas prévu. Où il est ce putain de... Point. Ah oui, il est là. Ok, point de recherche. Bon, on a un truc quelque part. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais ouvrir la map, s'il te plaît. Mais... Pourquoi pas. Ah si, il est là. Regardez, juste ici. Ah, putain, c'est vrai, le suivi de mission qui met 30 ans à arriver. Bon, ok, on y va. Oh, y'a un richou dans le coin. Merci madame. Vous êtes bien aimable. Ok, bon, on est bon. Pouah. Ces missions sont... Alors, y a un manque d'intérêt dans le gameplay. J'espère que ça va être un peu plus intéressant par la suite. Mais là franchement, je trouve pas le gameplay intéressant pour le coup. Donc ça m'embête. Hop. Ça, c'est un beau bruit. Y'a même pas d'effet tunnel dans le son, quoi. Y'a des flics juste devant. J'ai l'impression que je peux hacker beaucoup moins souvent qu'avant. Merci. Cassez-vous. Comme si ça avait été corrigé ou je sais pas. Oh Vous l'avez vu. Vous l'avez voulu. Et je vais vous l'offrir, chers amis. C'est parti! Hop les. Pof! Ok, on est bon. Alors, je voulais changer de... Voilà, je voulais mettre cette vue-là pour le faire, mais j'ai pas réussi. On y va. Merde. Allez, tourne!
Ok, on est bon. Oula. Oula. Vous avez entendu, j'ai frotté sur un truc. Non, ça fait pssst d'un seul coup. Et hop, j'ai perdu le contrôle du véhicule. Hop. C'est pas grave. Non, non, la conduite est vraiment pas top. Hein. Je trouve pas la conduite top dans ce jeu. Mais je la trouvais pas top non plus dans... dans le dernier GTA. Mais elle est quand même mieux que celle-là. Hein. D'ailleurs, j'ai vu la première vidéo de teaser ou je sais pas trop quoi d'annonce de comment ça s'appelle de Project Cars 2. Ça me permettrait peut-être de ressortir le volant, mais je sais pas si ça vous intéresserait ce genre de jeu, chers amis. Hein. Malheureusement, regardez. Je ne sais pas, je pense pas. Il y a pas d'histoire, ce sera. Enfin, il y a une histoire légère, mais. Elle est là pour dire qu'elle existe, quoi. Y'a un bateau qui m'attend ? Ouh, oui, un bateau qui m'attend. Ah oui, mais c'est des méchants dans cet endroit-là. Oh non ! C'est MacGoulie-Goulie ! Alors, soit c'est un pseudo qu'ils utilisent, qu'ils sont nombreux à utiliser, soit malheureusement, il y a plusieurs personnes qui ont le même pseudo. Ok, vas-y. Salut Rétro, je t'ai préparé ça. Merci. Tu viens aussi ? Non, j'ai le mal de mer. Quand désolé. Quand sera à portée, tu pourras l'atteindre rapidement. Merci. C'est sympa. C'est vraiment agréable, c'est vraiment gentil, c'est vraiment... une délicate attention. Ok, c'est parti. Il a l'air sympa ce bateau. Question. Est-ce que selon vous, le bateau a un boost ? Non, il n'en a pas. Quel dommage. En tout cas, c'est un bateau qui booste, hein, je veux pas dire, mais là... Marcus, j'ai rapproché tous les piratages de péniche avec l'activité de la bourse de New York. A chaque fois, ça correspond à des périodes de trading ultra volatiles. Surmonté jusqu'à 2007. 2007 ? Attends, tu veux dire que la crise financière, c'est... Un test de Bellwether. D'accord, bien joué. Les séquences de transactions sur un marché déjà fébrile. Mais ils ont fait comment, les Shoeboys, pour accéder à... À moins que... Eh oui. Qu'on leur ait filé l'accès. C'est possible ou pas ? Bah oui. Peut-être. Ok, alors. Nous y voilà. J'ai atteint la péniche. Reste en ligne. T'as pas le droit à l'erreur là. Je promets de pas me noyer. J'y vais. Dites-moi merde. Je vais sortir un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ton plan ? Vu la taille du bateau, il y a peut-être des centaines de serveurs. Si on veut trouver le bon serveur, faut que je hack le terminal de l'admin. Ok. Bon, bah on y va. On y va. Apparemment, l'arrière, elle a été assez... On va s'écarter un petit peu. Je sais pas si j'aurais dû m'écarter finalement, parce qu'en fait ça va être plus long à remonter. Ça dépendra si on est silencieux ou pas. Tu veux bien Ah oui, c'est vrai, faut maintenir la touche de free run pour le... Ah, c'est pas possible. Je t'avais dit de plus acheter d'action Ubisoft. Ils savaient déjà que leur jeu c'est du caca. Ah, c'est pas possible. Je t'avais dit de plus acheter d'action Ubisoft. La vache. Ok. En fait, on est directement à l'intérieur du truc. Ça pue. J'ai pas compris qu'on était dans un bateau en fait. Je croyais qu'on était en train d'hacker une tour ou n'importe quoi. Ok. Merde. C'est des Chinois, pas des Japonais. Oh, je sais pas. Où il est passé ? Je sais pas.
Il a sans doute disparu. Putain. Merde, il s'est barré pile à ce moment. Bande d'abrutis finis. T'es sérieux, j'ai réussi. Ah oui, il me voit. Oula. Recharge. Il y en a un qui tire à quelque chose d'un peu plus... Ok. Ok. Ils peuvent pas appeler de renfort ici. Hein. Hop. Merde. Hein. Bon, il s'est passé quoi, les filles? Je crois qu'il y a un bon nombre de morts. Ah. Apparemment, il y a moyen d'entrer dans le bateau. Mais ce n'est pas là que je vais. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. On a réussi à supprimer une énorme partie de la menace. Donc c'est plutôt bon. Yo! What's up, bro? Un mec qui s'est mis à taper dans la carlingue, on sait pas pourquoi. Mais il aime ça. Ok. Ça devrait aller. Je vais voir si la backdoor fonctionne toujours. J'ai identifié le serveur principal. Il n'y a plus qu'à le trouver physiquement. Ok, ça je sais comment faire. Pour vous c'est transportable, mais peut-être que pour toi ça l'est pas. Si ? Bon bah je l'ai fait plus vite que prévu finalement. Je laisse la ligne ouverte. On va aller le rechercher hein. Oh. Oh. J'ai trouvé le serveur. Au fait, comment je suis censé me tirer d'ici ? Oh. Le plan que t'as trouvé, il y a un ascenseur de service. Tiens, parlant de porte de service, je t'ai raconté la blague du... Wrench, plus tard. Non, c'est celle avec le cheval de course. Plus tard, on t'a dit. Installe le serveur comme il faut. C'est mignon parce qu'en fait, Citara, elle est toujours très... hyper méga protectrice vis-à-vis de moi. Ok, on y va. Hop. Hop. Eh oui. Je n'ai aucun problème avec ce genre de choses. Par contre, je vois pas du tout où est-ce que je suis supposé le glisser. Est-ce que là, c'est ouvert devant moi ou pas? Oui, il semblerait. Putain, j'arrive pas à savoir si je monte ou si je... Oh la gueule. Merde, c'est pas bon ça. Merde. Mais je me suis coincé bêtement. J'y suis presque. Josh, alors, merde. Top chrono. Ok, je sais pas ce qui est en train de se passer. Plus que 29 secondes. Un bordel. Quoi? J'aime bien être... Ah d'accord, il est coincé. Il est coincé, il est coincé. Regardez, c'est de là que j'étais en fait tout à l'heure. Est-ce que c'est moi qui l'ai coincé? Est-ce qu'il y a moyen de pas le coincer? Josh, t'es où? Tu devrais pas tarder à me voir... Là. Non mais je suis censé voir quoi surtout? Oh putain! C'est ton drone ça? Surprise! Et je loupe tout! Sur mesure. Je loupe tout! Marcus, t'es où? Il faut encore que t'accroches le serveur au drone. Au drone? Mais... Ouais, c'est bon, laisse tomber. J'arrive. Quoi? Wow!
malade. Wouah. Ce grand malade. Bouge pas. Là, je baisse. Aïe. Est-ce que tu veux bien pousser le truc, putain, mais... Ah, oh, il est débile. Elle est débile, cette grue. Oh, putain. Aide-moi. Aide-moi, pitié, aide-moi. Non, pas là. Pas la grue. Pas la grue. C'est pas la grue que je veux. Quoi? Chargement. Oh, merde. Je croyais qu'il fallait que je le monte avec la grue comme un con. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Okay. Hein? Hey yo Josh, combien de fois tu l'as fait voler ce machin? 0 fois. Ok, bon bah chinoiserie, oui effectivement ça va bien, tout ça va parfaitement bien avec le nom de l'épisode. Il y a que les Chinois pour inventer un truc pareil. Nous sommes heureux que ces hackers soient enfin traduits en justice. L'affaire des câbles sous-marins et celle d'espionnage et de sabotage menée par des groupes comme DedSec montre qu'il y a clairement des failles dans le système. Mais sachez toutefois que Bloom travaille actuellement d'arrache-pied sur un projet qui éliminera... Cet enculé a donné accès au Bellwether à des hackers pour qu'ils puissent le tester pour lui. Et il a présenté l'attaque comme une vulnérabilité des câbles sous-marins. Faut reconnaître qu'il est bon, ce bâtard. Encore plus d'entreprises vont vouloir profiter des satellites de Bloom. Bon, bah on a qu'à publier tout ce qu'on a sur Dushan, ok? Qu'il se fasse lyncher par le public comme Mussolini. Non mais c'est pas une solution de l'abattre. Ouais bah restez assis à rien foutre. Arrête, non, personne reste assis à rien faire. Silence. Guerre intestinale, c'est pas bon ça. Il provoque. Et ça marche. Je crois. Il essaie encore de neutraliser notre action en nous présentant comme une menace. Et on est une menace. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On s'est tous mis d'accord pour jouer la partie selon nos règles. Est-ce que ça a changé? Elle a raison de rappeler ce qu'il faut. C'est quand il y a une... ce qu'il nous faut pour le dégager une bonne fois pour toutes. Alors on se remet tous au boulot et on assure le coup. Ouais. Quand il y a une friction dans un groupe, faut rappeler les fondamentaux du groupe. Faut prendre la parole, se mettre devant tout le monde et rappeler les frictions. Et rappeler les fondamentaux. Ok. Bon. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, nous, on va se laisser là, je pense, pour cet épisode. Regarde où est-ce qu'on en est. 23 minutes, c'est parfait, on est pile dans les temps. Hop, je retrouve plus la fenêtre. Voilà. Donc nous, on va se laisser là, chers amis, pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!